She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. To the day she got me called, I thought she was a... Salut la famille. Bienvenue sur notre chaîne Best Promas TV, la chaîne du Japap du Bérin. Oui, on est là, on continue. On vous apporte les infos. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, la famille, l'imposture n'est pas bien. C'est pas bien. C'est utiliser le malheur des gens pour se donner de la visibilité. C'est vraiment, je ne sais pas comment décrire ça. Vous voyez ce qui se passe en Bankolo, à Yaoundé. Il y a des familles qui sont en train de souffrir. Des familles qui dorment dehors jusqu'à présent. Qui n'ont pas où ni s'abriter, ni... Donc, il continue à pleuvoir. Hein. Les enfants dorment à belle lurette. Donc, vous dites quoi là? L'affaire a affecté, ça a commotionné Yaoundé. On te dit qu'il y a une famille qui célébrait l'anniversaire d'un bébé. Il y avait la fête et presque tout le monde, donc ça a englouti la maison, ça a pris. Presque tout le monde est parti. Les gens sont là, vous voyez, les gens sont là, désespérés, sont en train de récupérer même les petites tôles. Mais qui est parti là-bas? Plus ou moins que Franck Biya, le fils de Paul Biya. Ketcha, comment on appelle ça? Ketcha Kout. C'est de quoi là? De l'habitat, c'est quoi quoi? De l'habitat, le ministre. Le ministre de l'administration territoriale, Atanganji, t'es là-bas. Les coqueuses de diamants, tout ça, là-bas, pour donner le soutien. C'est qu'un soutien. Ils donnent là-bas. C'est au soutien avec la bouche, ou bien c'est au consoler les gens. Je ne comprends pas. Je me dis, quand ces gens-là partent là-bas, ils filment tout, ils montrent tout, comment ils sont. C'est pour apporter un changement, quelque chose. Ces gens-là, ces gens dorment là, ils devaient au moins déjà construire un petit truc là pour loger les gens, ou bien les loger quelque part, même c'est à l'hôtel, en attendant qu'ils. Mais, attendez, donc, ils vont... vraiment, la vie ici, hein. La vie ici, la famille. Les gens souffrent. Les gens là souffrent. Je vous jure, la famille. Les gens là souffrent. Ah. Jusqu'à présent, les choses n'ont pas changé là-bas. La situation des gens là n'a pas changé d'un pouce. On fait comment, non? Il faut seulement faire une quête pour aider les gens là. Les gens passent le temps à partir prendre les photos. On fait comment? Aïe! Tout est à refaire vraiment en Afrique, je vous jure. Non, l'Afrique, non, parfois ça ne vaut pas la peine. Ça décourage. Tu vois, même les ministres, même le fils du président de la République, même tout, mais les gens continuent. Mais c'est quoi? C'est quoi ça? Mais non, en tout cas, la famille, on espère, c'est Dieu seulement, on doit seulement prier. Je me dis que les gens doivent seulement organiser, je ne sais pas, une quête pour aider ces gens-là. Mais qui va donc prendre l'argent? On va dire, on met ici, t'es pas. Afrique. Il y a même les gens même qui vont vouloir même contribuer, mais on donne l'argent à qui? On donne à qui? En tout cas, la situation là-bas et la famille, c'est très désolant. Je vous parle à très bientôt pour une nouvelle vidéo, hein, la famille. Bisous et hasta pronto.